Alors. Attendez. Il y a quelque chose au fond, oui. Il y a deux portes. Laquelle on prend, je ne sais pas. Celle qui est derrière moi est verrouillée en théorie et ça revient à l'entrée principale. Ah, mais on vient de la déverrouiller. Donc là, en théorie, on peut faire en sorte que Billy nous rejoigne. Ah, da, 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 da. On va prendre le fusil. Bon. Hop. Allez. J'espère qu'il n'y en a qu'un. Ah! Oh putain, ils sont au moins deux. Je me tire. Non, je me tire pas. Non, c'était une mauvaise idée. Non. J'ai paniqué. Est-ce qu'ils regagnent leur jauge de vie? J'en sais rien. Et elle est blessée, cette gourdasse. Putain. Il y a des trucs dans la salle. Cassez-vous! Gardez vos pattes dégueulasses. Mais dépêche-toi! Si tu meurs... Putain. Elle est morte. Oh mais elle est naze! Qu'est-ce que... Ah non, elle est pas morte. Mais ça ne saurait tarder. Ou pas? Ah, je vais bien, je pète la forme. Alors Billy peut l'argent en théorie. Je pense que ce serait plus que nécessaire. Elle peut encore prendre des dégâts, ok. Alors ça on va le laisser, j'ai l'impression qu'il y a une nouvelle arme. Hop, on verra s'il nous suit. Elle peut pas le porter, c'est ça? Si, lance-grenade. Attention, ça rigole plus. Y a pas une touche pour les faire revenir ensemble automatiquement? Attendez. Je préfère que ce soit lui qui se déplace. Donc faut juste qu'il aille en face, en gros. Donc là, il y avait... D'accord. Rien. Tac. On avait ici cette porte? Je crois pas. C'est fermé. D'accord, merci. Faut sûrement mettre le feu. La bougie s'est consumée. Ok, c'est sûrement ça la solution pour passer. Combien de pompes, Damien, par jour? 5 séries de 50. Facile. Ok, monsieur muscle. Bien sûr, il y a des zombies qui sont revenus. Sinon, c'est pas drôle. Ah putain, j'ai pas le temps de sortir le couteau, il se relève déjà. Puis comme dès qu'il se relève, il nous bouffe déjà. C'est de l'arnaque. Ok, allez, on sort de là. Salut, nouvel arrivant. Coucou. Un viol de Rebecca en direct. Merci à Yami pour son retour sur ce qu'on voit à l'écran. Esprit pervers, j'ai envie de dire. Alors attendez, je vais pas au bon endroit là. Quoi? Je regardais pas le bon perso. D'accord. Je regardais pas le bon écran. Très bien. Attendez, putain, je suis perdu. C'est par là ou pas? Oui, c'est par là. J'arrive, Rebecca. Retrouvons-nous pour plus d'efficacité. Non, elle est par là, elle. Hop, je crois que c'est ça. Voilà, je préfère les voir ensemble quand même. Ça pue un peu moins le caca. Et comment elle se tient? Okay. Et comment... Hein, est-ce que je peux prendre le fusil? En théorie, je vais pouvoir, mais, ça va poser problème. Quoi? Bah, échanger.
D'accord, c'est buggé, clairement. Que ah ? D'accord, je sais pas pourquoi j'ai pas pu bizarrement échanger ces items. En plus, de toute façon, il fallait vraiment venir ici. Il y a sûrement l'item du bien, entre guillemets. Statue blanche. C'est ça. Bon, alors attends. Ça doit être galère de jouer avec cette vue. Bah, c'est un petit peu galère parce que c'est le gameplay à l'ancienne. Cette horloge comptoise a l'air cassée. On n'entend plus le tic-tac. Bah, tu peux pas récupérer l'aiguille ? Bon, on va aller poser la statue. Ce sera fait. Voilà, je suis encore perdu. En théorie, c'est juste là. Et ensuite, on va venir récupérer le fusil. On va le garder quand même. Ah non, c'est moi qui ai pas compris en fait. Tu choisis la quantité que tu donnes. Donc je l'ai laissé sur 0, donc c'est pas un bug. C'est moi qui ai pas compris. D'accord, fallait que je sélectionne le total d'objets pour que ça passe chez Rebecca. Autant pour moi. Non. Utilise. Donc là, en théorie, ça devrait s'équilibrer. Quoi ? C'est pas équilibré, là. Hein. Retire la statue de gauche. Oui. Est-ce qu'il faut y changer les deux, ou comment ça marche ? Oui. Ou alors il faut deux statues blanches ? Soit la balance est déséquilibrée par défaut, ce qui n'a pas l'air d'être le cas parce que là elle est droite. Ouais, mais on se choisit pas où on la met, de toute façon. Là, si je veux la mettre plutôt à droite. Mais je pense pas que ce soit ça, je pense plutôt qu'il faut deux statues blanches. Wow. Comment ça? Mais tu te fous de moi? T'es pas devant l'item là? Non, bah il la met systématiquement à gauche. Systématiquement, pardon. Donc ça veut dire qu'il faut deux statues blanches, je suppose. Ok, 3 ans pour vérifier ça. C'est merveilleux. Hop, un live sur GTA, ce n'est pas prévu à l'heure actuelle. On en a fait un petit peu tout à l'heure. Mais pour l'instant, je ne sais pas. Bon, ça parle encore de nudisme. Il te manque des choses sur la statue. Tu ne penses pas, Soso? Donc ça veut dire que ce serait pas deux statues, mais je sais pas. J'ai pas compris. J'ai pas fait attention, surtout, en fait. Alors moi, je voulais essayer de lui faire recharger le fusil. Histoire d'économiser un peu le gun. Parce que le gun, on le garde en permanence. Alors attends. Est-ce que t'as de la place, toi? Bien sûr que non. Donc on va poser le couteau un instant. Hop. Bravo Soso pour les 10 000 et quelques. Merci. Ramasse le fusil. Y a pas qu'elle qui est blondasse, hein. Lui aussi il a du mal. Allez hop. C'est pas laborieux du tout. Combiné. Hop. Et on ramasse le couteau. Et on a de quoi se défendre un petit peu. Hop, parfait. Alors, qu'est-ce qu'on a par là? Le tableau représente un aristocrate. Ah, très bien. Mais il y a un truc pété au sol. On dirait une tablette, mais apparemment, ça ne sert à rien. C'est fermé, la porte est ornée d'un symbole d'eau. Donc eau et feu, d'accord. Sauf que là, je ne vois pas du tout où aller du coup. Je rame. Bon, je le répète, hein, je ne connais pas le jeu. Forcément, ça complique les choses. Alors, est-ce que c'est dans la salle de conférence ou c'est ailleurs qu'on passe le microfilm? Alors lui, en théorie, il a assez de force pour bouger la manivelle. J'espère qu'il n'y a pas de créature. Non, ça va.
Allez, vas-y. Et voilà, lui, il peut. Elle, elle peut pas, mais lui, il peut. C'est n'importe quoi. Donc on peut récupérer l'item. Ah bah tiens là, ta manivelle, oh là là. Change, allez, allez. Tu ne bouges pas. Tu maintiens. Sinon, tu vas décapiter Rebecca, ce serait ballot. Soso, qu'est-ce qui se passe à Yami? Je fais encore les trucs de travers. Qu'est-ce qu'on a là? Sachant que j'ai plus de place. Oh putain. Ah. Quoi? Mais non, mais... Oh putain. J'en ai marre de cet inventaire. Sérieux. Tu devrais poser le lance-grenade. Oui, c'est ce que je suis en train de faire. Je le pose au bord de la piscine. Comme ça, quand on y reviendra et qu'il y aura des créatures, ou pas, il sera sur place. Hop. Donne-le à Billy. Billy, il a déjà le fusil. Il peut pas. Salut, Lulabi. Oh, putain. Lâche la grille. Billy? Qu'est-ce que... J'ai pas sauvegardé depuis un moment. Oh putain de sa race. C'est pour ça qu'elle m'a dit de... J'ai pas de soin. Je joue sans soin. Oh putain, putain, putain. Je tire dessus là, je vois pas. Ah Billy, il est là Billy, il est occupé. Ah. Qu'est-ce qui se passe? Tais-toi. Fais pas la fille. Putain, mais il la colle bien le monstre là. Ah, il m'a effleuré. Combien de munitions il reste? 0. Très bien. Tu laisses... Alors après c'est un peu risqué quand même de tirer sur une créature avec un lance-grenade. Putain, je suis perdu avec ces changements de caméra. Quand tu as quelqu'un coincé... Ramasse-le! Lance-patate! Putain, elle se fait bouffer! Mais... Billy! Prends ton temps, Billy. Hein. C'est pas comme si elle était en train de crever. Oh putain. Équipé. Est-ce que je meurs? Est-ce que je m'explose? Oh putain, et bien sûr, elle a pas pris de dégâts. Bah, pff, bah oui. Oh putain. L'autre, il me gratte le mollet avec ses pattes, ça me fait des dégâts. Ah! T'es mort? Mais lâche-la, putain! Bah oui, mais Billy va mourir là. Putain, je sais même pas si ça l'a touché là. Oh putain. Ouh, j'ai plus de munitions, quoi. Oh, ça pue le caca, sérieux. Ah! Il est mort? Ou elle est morte? Are you all right? Yes, thank you. Des pattes, ouais. On n'est pas dans la merde. Putain, on va le soigner. Hein. Oh là 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 là. Oh là 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 là. Échanger. Bah ouais, mais il est dans l'orange. On n'a pas le choix. Hein. Oh putain. On n'a plus d'armes. Ah. Putain.
Ce jeu est splendide. Je sais pas si je vais arriver au bout, sérieux. Elle a pas d'armes équipées, elle? Je sais plus si j'ai dit au revoir à Solaris du coup. C'est quoi cette tenue? Quoi? T'aimes pas les pom-pom girls? Ça, on en a plus besoin pour le moment. Très bien, donc on a la clé. Alors attendez, c'est la clé de feu, je suppose. Je l'ai pas examinée. Symbole de feu. Très bien, il y avait deux portes. Alors attendez. Je peux te marcher dessus ou pas? Attendez, je suis encore perdu. Ah, de toute façon, au fond, on peut pas y aller. Attends, mais c'est pas de là que je venais? Ah non, c'est l'inverse. Oh là là. Hop, on va aller sauvegarder, on va prendre l'escalier. Par contre, j'ai plus un seul soin, ça craint du boudin. Oh mon dieu, mon dieu, mon dieu, mon dieu. Ah, j'essaie de faire le point sur le live. Salut. Hop, hop, hop. Bonne nuit à tous. Bye bye. Après, ça parlait d'ADSL. Mais j'ai pas tout suivi. Donc, on sauvegarde tout de suite. Putain, mais il marche tout droit, please. Ah, c'est pas là, mince. Non. Let's go. Je me suis trompé de gâchette. Follow me. Ah, d'accord. Je suis perdu moi sur la map, sérieusement. Enfin pas sur la map, sur le... dans le château. C'est une horreur. Tu vas être un peu court au niveau soin en effet. Je ne te le fais pas dire. Mais c'est la faute au corbeau ça. C'est à cause au corbeau. À cause au corbeau ça veut rien dire. Et mon microfilm je le mets où? C'est quoi ces espèces de pupitres avec une... On sait même pas ce que c'est. Ah, il y a des munitions pour le fusil. Disque système nécessaire. C'est pas ce que j'ai. En tout cas, de nom, ça n'a rien à voir. Mais oui, c'est pas ça. Bon. Billy, est-ce que t'as de la place? T'as de la place. On va ramasser les munitions et reprendre le fusil. Et aller voir les portes avec le symbole de feu. Donc je crois que celui qui a les rubans... C'est plutôt lui. Donc là, théoriquement, Yamé, en fait, ce que je peux faire, c'est laisser les rubans devant le point de sauvegarde. Et aller me balader. Théoriquement. Et ça me suivra au prochain niveau. Théoriquement. J'en sais rien. Bon, allez, je préfère faire une autre sauvegarde au cas où. Allez, sauvegarde réussie. Parfait. Ah, Billy. Salle de conférence. Alors, on est reparti. Donc, le fusil. On va essayer de se repérer sans la carte. Donc, c'était par là. Normalement, il y a un escalier. Après, ce qui est chiant, c'est que les portes de feu, je me rappelle plus vraiment où elles sont, donc on va refaire les portes verrouillées. J'espère juste qu'on va pas se faire attaquer de manière sournoise. Hop, alors, le fusil, il était plus... Bah, il était là. Allez, ramasse, merci. J'ai plus de place. Et laborieux. Tiens, je te donne les 10. Bim. Et moi, je ramasse le fusil. Pourquoi j'ai bougé? J'étais devant. Non, ça passe. Hop. Hop, combiné. Tac, voilà. Putain, on est pas bien, on n'a plus rien. Alors, attendez, j'en profite d'être à cet étage. Ah non, retourne sur le balcon, il y avait les corbeaux, fuck you. Quoique, je sais pas s'il lui peut faire un truc. Avec la caisse.
Je sais pas trop. Si les corbeaux sont revenus, je me barre. On a perdu assez de vie comme ça. Non, apparemment c'est bon. Il peut pas la tirer. Enfin, je sais pas quel est l'intérêt de... J'en sais rien. J'en sais rien du tout. On se bouge. Alors, les portes couleur feu. Où était-elle? Il y en avait deux, je crois. Yo, Sorator. Salut. Let's split up. Okay. Non. Come on. Roger. Je me trompe de touche à chaque fois. Mais là, on va reprendre. On est bloqué, là. Quoique les rouages, y'avait pas un truc à prendre? Non, ce qu'il faut, c'est... Et ouais, c'est ça, une aiguille. Bon, au moins, ça m'a remis ça en tête, le coup de l'aiguille. Je l'avais un peu zappé. Tape dans la caisse au couteau. Quoi? On n'est pas dans Resident Evil 4, hein. Il peut la tirer. Acide! Acide, alors. Voyons. Un coup de couteau, ça marcherait, là, dans ce jeu? J'ai pas eu un seul objet à casser comme ça, pour le moment. Ça marche pas, on n'est pas dans Resident Evil 4. Parce que même dans le 3, j'ai jamais fait, donc je ne sais pas. Mais dans le 2 et dans le 1, il n'y avait pas de caisse. Hein. Quoique, je sais plus. Je me rappelle surtout dans le 5, les gros tonneaux. Bon, pour l'instant, on n'a plus rien à faire ici. Donc, on descend. Là, là-dedans, c'est la porte haut. Ça, je m'en rappelle pour le moment. Pourquoi tu mets des A entre parenthèses, Ayame? J'ai remarqué que tu le faisais de temps en temps, je ne sais pas ce que ça veut dire. Alors, on a une porte verrouillée juste à côté. Est-ce que ce serait ça? Pousse-toi! Non, ça c'est la porte de l'horloge. D'accord. Alors, attendez. On va revenir sur nos pas et passer en face. Je pense que c'est une porte qu'on va pouvoir ouvrir. Hop. Jeu de merde. C'est pas comme dans Rainbow Six Siege où tout est destructible. Ah bah écoute, c'est sûr. Et puis en plus, ces changements d'angle de vue sont assez perturbants. Donc on atteint une nouvelle zone, donc nouveaux ennemis. Ah merde, c'est pas la porte-feu. Ah, bordel. Alors attendez, on va revenir dans le couloir qui est juste là. Regaga. A égale le smiley de l'ange, genre l'innocence. Ah oui, mais moi je le vois pas. Donc ça fait un peu bizarre. Qui c'est qui a le symbole? C'est toi ou c'est elle? Oh, c'est elle. Vas-y, passe devant. Oh putain, ça pue, ça pue, ça pue, ça pue, ça pue. Ça pue. Ça pue les nouvelles salles. Mais apparemment pas celle-ci. Cette photo montre un vieux savant absorbé par ses recherches. Soso, à quand un live? Question très intéressante, sachant que je tourne ça en live. Les livres ne sont pas classés. Certains ont été retirés de l'étagère. Non, 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 n'y va pas tout de suite. Finis de regarder de ce côté d'abord. D'accord, on a fini de regarder de ce côté d'abord. Donc allons-y. Hop. Yo, Sam. Hein? Yo. Qu'est-ce que c'est que ça? Il y a un interrupteur. L'actionner. Oui. Quoi? On a allumé la lumière. Merci le jeu.
Bonne grosse idée. Hein. Oh putain. Ce globe terrestre, je m'en fous. Enfin, je m'en fous. Je sais pas si je m'en fous, mais... Là, ça ne m'intéressait pas tout de suite. Alors, journal de l'assistant du directeur. Bye bye, acide. Et le 2 septembre. Encore une bande de stagiaires incompétents. Où le siège social dégote-t-il de tels idiots? Quelques-uns sortent du lot, cependant. Estimons-nous heureux. William et Albert. Wesker? Cela en de l'avenir. 25 septembre. Will, l'intello, et Al, le pragmatique. C'est le jour et la nuit. Ils se donnent toujours à fond. Ils ont tous les deux quelque chose de cruel et impitoyable. Le 7 octobre, j'ai reçu un appel inattendu du directeur. Il m'a dit d'encourager la rivalité entre deux. C'est bien la première fois depuis l'ouverture de ce centre de formation que Marcus s'intéresse à autre chose qu'à ses recherches. Bon, comme il veut, les ordres sont les ordres. Ils seront bientôt à couteau tiré. D'accord, donc ça ne m'aide pas du tout pour la tête de Caribou. Alors, qu'est-ce qui... Bah, la différence, c'est que je vois pas ce qu'il y a sur le caribou. Billy, est-ce que tu vois quelque chose, toi? Ah, Billy. Hi, Billy. Il voit rien. Putain. Pose les statuettes par terre pour l'instant. Quoi? Mais elles sont par terre, les statuettes. Ok. Attends. J'ai pas les statuettes. Ayame! Elle veut m'embrouiller! Ayame! Arrête! Ayame veut m'embrouiller! Au secours! La tête de caribou. Mais oui, mais je. This way. Viens ici, fais-moi la courte échelle. Merde, j'ai pas rallumé la lumière. Il peut pas venir? Il est sérieux? I'll go check over there. Yeah. Attends, repasse sur lui. Et ben alors. Mais. Attends, d'où. Ah, j'ai eu peur. Comment je décroche ce qu'il y a sur le caribou? Je te fais la courte échelle. Oh là là, sa jupe est très très courte. C'est ce qu'on appelle du fanservice. À la japonaise. Alors, fallait tirer dessus, j'ai mal tiré dessus, ou comment ça se passe? Putain, j'ai cramé 2 balles. Oh, fais caguer. Pousse le meuble, MDR. Wow. Mais dans l'autre sens. Mais non, et voilà, j'arrive plus à monter dessus. RT, non, c'est bon. Merci. Mais ça me paraissait pas logique, hein. Pour moi, c'était un obstacle inutile. Je me suis pas dit, pousse le meuble pour aller chercher ce qu'il y a sur le caribou. Non, je me suis dit, faites la courte échelle, vous êtes deux. Ça me paraît logique, non? Hop. Allez, passe de l'autre côté. En tout cas, merci à Yamé de me guider un peu. Ça accélère le process. Bien sûr, c'est elle qui pousse hein, pour changer. Que ce soit pas toujours le mec qui fasse les tâches physiques. Hop, pendant ce temps-là, lui, il prend du bon temps. Ah, les caribous. Ah, l'horloge. Pourquoi ça brille encore? J'ai plus de place? Ah merde, crudit. Est-ce qu'il considère qu'on est à côté? Oui. Hop. Allez, ramasse. Hop, on va retourner dans la salle. Donc c'était par là-haut.